Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur Phoenix Point. La dernière fois on avait fait Pop ce nid ici, qui a priori va nous dégager cette zone de brume si j'ai bien compris, mais je suis pas sûr. Donc là on a notre base, peut-être qu'on va aller se restaurer un petit peu, non? Ce serait intéressant quand même, je pense. On peut peut-être aller explorer ce truc là. Alors, acquérir plus de vaisseaux afin de... Oui, ça, ok. On avait vu, je crois, non, ce truc là. Le vol, le moyen rapide de voler des vaisseaux et de les voler. Ouais, non, mais on va pas voler des vaisseaux. Ok, on va se déplacer là. Oh! Rapport sur la situation pandorienne. Arthur, un bouclier. Alpha, Triton, Tracker, Triton, Ghoul. Ok. Donc les mecs, ils évoluent de plus en plus, quoi. Hein. C'est... Ok, ils ont des pistolets et puis des trucs bizarres. Ouais, eux aussi quoi. Ouais, des fusils carrément. Ok. Ok, les mecs, c'est de plus en plus des bourrins quoi. Ok, très bien. Structure pendant une activité, oui. À nouveau dans le labyrinthe. Oh, c'est beau ça. Site de bioingénierie 2. Ok, sur l'Antarctique, carrément. Je sais même pas comment je vais y aller là. Faudrait que je passe par là. Ouais, je suis pas prêt d'y aller. Ok. On se déplace là-bas, on va explorer ce truc-là. Ah, le Bullrog. On peut en fabriquer maintenant. Ça, ce serait intéressant d'en fabriquer parce que... Eh ben, il y a des bonnes armes. Enfin, c'est une bonne arme. C'est une bonne arme. Par rapport à celui-là. 26 machin. Il a moins de balles, par contre il fait plus de dégâts. 10 de plus quand même. Rafale de 4. Un lire rafale de 6, mais bon. L'autre est quand même plus efficace quoi. 3x6, 18. Et lui ça fait 4x4, 16. Ah ouais, c'est quand même moins. Ouais, mais bon, il y a toujours des balles qui passent à côté. On a requis 2 x 3, x 3, ouais. Moi, je l'aimais bien celui-là. Hein. Je pense qu'on va. 100. On va en produire 2 après. 18 heures pour produire une arme? Putain! Waouh! Ok. Bon, pourquoi pas en produire 2. Recherche. J'ai plus de recherche du tout en cours. Fusion nucléaire, autopsie, colonie pandorienne, détruisez la colonie pandorienne. Ce serait pas mal de détruire ce machin pendant qu'on y est. Technologie fusil à pompe. Fusil à pompe. Disponible la production. Bouclier de combat. Ok. Donc on a débloqué des trucs en plus. Avec les autopsies. Vertaxib, corrupteur. On va peut-être prendre lui, ça a l'air pas mal. Recherche partagée, mais ça va prendre combien de temps ça? 13 heures. Bon, après on fera ça. Personnel. Qu'est-ce que ça me dit là? Ah oui, j'ai pas de balles de ce truc là. Bon. Ça vient de faire des fusils à pompe du coup. On verra. En tout cas, lui il est aux pompes, on continuera comme ça. Recrue. Ah, j'ai une nouvelle recrue, c'est ça, bombardier. Toutes les maîtrises des armes greffées. Ok. Pression augmentée de 20%. Voleur. 100% de furtivité, bonus plus d'un point de vitesse, c'est pas mal. Je peux le recruter pour 200. J'ai 1200, vas-y, on va le recruter. Personnel. Alors, un agent dans un vaisseau n'a pas d'armement, dans un placement d'objets prêts, blablabla, il est préférable d'équiper au moins une arme et d'autres objets utiles, comme des munitions, un grenade, un kit. Un agent pour équiper. Ok. Donc, lui, il est à Phoenix Point. Elle a ni arme, ni objet, ni rien du tout. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ok. Modifier. Donc on avait des trucs d'avance.
Ça fait 18, ça fait 20, plus 1, plus 0. Plus de perception. On va équiper cette armure-là. Voilà, comme ça. Et on va lui donner. Yataer. C'est indépendant. On va lui donner un fusil comme ça, avec des munitions et un medkit. Ok, soldat, basique, standard, unité d'assaut. Ok. Ah ouais, elle a des trucs en plus là. D'accord. Ok. Très bien. Très bien. Armée de l'air, là, notre deuxième avion qui est en train de se produire, qui sera ici a priori, donc ce sera pas mal. Et là, on a dit qu'on était en train d'explorer ce truc. Ok, donc c'est un refuge des disciples d'Anu. Info sur le refuge. Alors ça fait quoi si je fais une incursion? Ici. Les zones de production alimentaire fournissent un refuge de quantité considérable de nourriture et vers. Les disciples sont ingénieusement mis au point invitation de champignons pour créer de la nourriture presque entière. Ok, donc en fait c'est pour gagner de la nourriture, on s'en bat les reins. Là j'ai dit que je voulais aller où moi? Ah oui, je voulais aller là pour me soigner. Entraînement d'élite. Construit au refuge Azuniva. Ah, j'ai pas eu le temps de tout lire. Zut. C'est quoi ça? Entraînement d'élite. Oh, je sais pas lequel c'est du coup. Donc là, il y a des trucs partout. Là, on va attendre qu'ils soient remis, mes gars. Voilà. Recherche terminée, technologie fusion nucléaire. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh là. Oh, ça pue, ça. Ouh, ça pue, ça. Fréquence interdite. Nous avons reçu une transmission d'urgence automatisée de la part du centre scientifique de la Nouvelle-Jéricho. Le message composé d'un mot assiégé, répétant en boucle la recherche du lieu dont provient la transmission, a révélé des images de sécurité. Ok. La lutte continue. La Nouvelle-Jéricho continue à améliorer sa capacité militaire, cette fois-ci avec de nouveaux types de soldats. Ah, le technicien, ses bras robotiques, ses greffes crâniennes, tout ça a l'air très impressionnant. Et nous ne sommes pas exactement opposés à ce développement, mais une question nous taraude. La Nouvelle-Jéricho va-t-elle investir dans autre chose que la guerre? Ok. Les signes rayons envers Nouvelle-Jéricho, moins 4, ok. Oui, nous devons faire venir la paix, quelle qu'elle soit. Et nous autres membres de Cinerion ne sommes pas contre l'idée de nous battre, mais gagner ne se résume pas à assembler la plus grande armée possible. Pour triompher, il nous faut une infrastructure fonctionnelle. Nous avons besoin d'individus qui savent planifier, nous avons besoin d'un système efficace, ok. Assiéger, ok. Donc là, on peut aller là-bas. Moi, j'aurais bien voulu aller là-bas quand même, d'abord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça, hop, voilà. Ensuite, on va se déplacer là-bas et on va faire ce truc. Assiéger, commencer la mission. Il a été confirmé que les transmissions provenant du centre de recherche Nouvelle-Jéricho, selon les premiers rapports, toute la zone a été envahie par les rejetés. Ah, la recherche exacte menée au centre reste inconnue, mais selon les images prises par le satellite, il y a des preuves que celle-ci est liée au nouveau programme bionique de la Nouvelle-Jéricho. Les analyses suggèrent qu'au moins 5 scientifiques de Nouvelle-Jéricho ont survécu en se barricadant dans le centre. Ok, bah vas-y, on y va. Attention, lui, il y a bientôt plus de balles, lui aussi. Peut-être que le champ de bataille. Ah, tous les objets du champ de bataille sont automatiquement récupérés si la mission est réussie. Ok. Hop, hein. On va faire une nouvelle sauvegarde d'ailleurs, qu'on en ait deux alternés. Ok, donc là on a dit mission spéciale, commencer la mission. Est-ce que je pourrais pas lui mettre une autre arme? Ah, il est quand même spécialiste du fusil à pompe lui. Hein. On va regarder ça, il reste encore pas mal de balles. Hein. Ok, ah zut, j'ai fait échappe. Allez, commencer la mission.
Blablabla. Emplacement des squads utilisés 6 sur 8. Ouais, mais dans mon vaisseau il n'y en a que 6, donc on va le déployer comme ça. Oh, donc bientôt on aura des mecs comme ça donc. Des mecs qui ressemblent à ça. C'est ouf ça. Ça va être bien. Ça semble bien en tout cas. Bon, cette fois-ci, il faut que je surveille le temps de ma vidéo pour pas faire une vidéo de 45-50 minutes comme la dernière fois. Allez. Allez, allez, allez. Bon, donc a priori, un peu comme d'habitude, des ennemis qui vont être autour et il va falloir tuer tous les ennemis, quoi. Et sauver les civils. Si j'ai bien compris. Ok. Force Phoenix. Donc. Ah, c'est tout? Ok, donc ils sont dans ce bâtiment, quoi. A priori, ils sont dans ce bâtiment. Ok, moi je peux monter là-haut. Je pourrais mettre un sniper là, à la limite. Ça, ce serait pas une mauvaise idée d'avoir un sniper ici. Sachant que les évacs, elles sont là-bas. On peut rentrer par ici, là-dedans. Là, on peut pas monter. On peut rentrer par où sinon? Faire le tour et rentrer par là. Par le rez-de-chaussée. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Rentrer par en haut ici. Prendre le contrôle du haut. Ouais, ce serait pas mal de prendre le contrôle d'en haut. Sachant qu'ils peuvent pas pop d'ici. Il y en a qui vont pop là, là. Là. On analyse un peu le terrain avant de se lancer dans n'importe quoi. Tiens, c'est la même map que l'autre fois où je me suis fait dézinguer. Enfin, elle ressemble en tout cas. Ok, alors on a dit. Un des deux snipers. Peut-être Aminu. Qui a plus de balles. La valeur de vie. Oui, c'est déjà. Ah oui, ça c'est son nouveau truc. Ok, donc lui, Aminu, ce serait bien qu'il monte là-haut s'il peut. Peut pas. Bon, bah, premièrement, il va venir ici alors. Il peut se déplacer beaucoup lui. Ça fait pas beaucoup ça. Ok, et les autres, on a dit qu'on allait faire monter par là-bas. Ça me paraît un peu risqué quand même, non? Moi j'irais bien attaquer par là-bas. Hein. Parce que monter par en haut là. Donc attendez, tac tac tac, par en haut on arrive ici. Là, on pourrait se planquer pour avoir des accès sur les points de pop. Là-bas. En se mettant ici, en même temps, on peut surveiller en... là. Ouais, ça me paraît pas mal, mais j'ai peur que là, le temps que je fasse le tour, eux, ils viennent par là, ils s'attaquent à mon sniper après en haut. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout que le seul point pour monter là-haut, c'est cette échelle. Ah, et celle qui est à l'intérieur. Ouais, vous savez quoi? On va tenter le coup. On va tenter le coup par en haut. Oh! Un berserker. Les berserkers sont des guerriers au corps à corps, cruels, qui peuvent utiliser leur douleur pour obtenir l'avantage au combat. Ok? Armes de contact. Les armes de contact sont les armes de courte portée qui ne ciblent que les ennemis sur les cases adjacentes. Tout objet sélectionné ou même. Les bras du soldat peuvent servir d'armes de contact. On va utiliser un attaque cognée. Ok. Donc lui il est là-bas. Paf paf. Donc là on va se mettre ici. Toi tu vas attendre. Oui. Mon autre sniper. Il peut pas donc il va venir. Est-ce que lui peut se déplacer d'autant que ça? Non, je pense pas, ça m'étonnerait. Le sniper il va venir là-bas.
Toi, tu vas venir ici. Ok. On va essayer de jouer la mobilité. Hein. Hop. Enfin, en tout cas, pour le moment. Ok, peut-être que toi, tu vas venir quand même là-haut dans un premier temps. Ce serait pas mal aussi d'en avoir deux. À la limite, elle redescend par là-bas après, juste pour être en cover avec lui. Ce serait pas mal. Inaru va rester ici en attendant. Ok, terminé le tour. Il y a quelque chose ici, là. Ennemi détecté, alerte. Oh, c'est quoi, lui, c'est un... Il va me tirer dessus? Non. Un rejeté. Oh, il y en a d'autres, là. Oh là, oui, d'accord. Oh, j'ai bien fait de passer par là, peut-être, en fait. Finalement. Berserker. Oh là, il bouge beaucoup, lui. Ah, vigilance. Mais, vigilance, mais il est pas encore à corps, hein, ils ont dit. Alors, attends, toi... Toi, du coup, tu vas venir ici. Ok, les scientifiques sont tous là au premier étage. 1, 2, 3, 4. Ok. Ennemi détecté. Ok, on a un berserker tout là-bas. Attends, je peux pas tirer pour le moment. Donc. L'échelle est de ce côté. Tu vas venir là-bas, toi. Ennemi détecté encore. Ouais. Oh, il y a beaucoup d'ennemis, hein. Ok, tu vas venir ici en attendant. Visée rapide, c'est pas la peine. J'ai plus de points. Papillote. Papillote, qui est un sniper, peut tirer sur lui. Waouh! Mais ils ont de la vie, bordel. Toi, est-ce que tu peux pas utiliser une grenade? Coup, un point d'action. Putain, il a perdu un point d'action, du coup. Est-ce que tu pourrais pas utiliser une grenade? Badaboum. Le coût en point d'action des grenades et des autres armes explosives diminue de... 1. Leur portée est augmentée de 50% jusqu'à la fin du tour. Est-ce que je peux en tuer deux d'un coup là? C'est ça la question. C'est trop loin là, je peux pas atteindre ici. Je peux pas en atteindre deux d'un coup. Bon. Visée libre. Ouah, mais ils sont hyper. C'est quoi comme fusil? Un bullrog. Un bulldog. Ils sont hyper bien. Armés, dis donc. Ok. Oh, vas-y, riposte en plus. J'ai pas vu. Oh, quelle horreur. Il riposte en plus. Bon sang. Mais on est dans la merde. Oh là là. Bon, il va falloir qu'on les tue vite. Bah vas-y, tire dessus. Ok, très bien. Toi, tu vas pas arriver à l'achever. Oh putain. No mercy. Ok. Ah, vas-y, tire encore. Hein. Oh. Oh là là. Ok, ça pue du fion. Ça pue, ça pue, ça pue. Je peux tirer sur le berserker, ça va être pareil, non? Si je tire sur lui... Non, non, je dis que je voulais tirer sur lui, ouais, visée libre. Ah, je peux même pas le toucher, d'accord. Ok, fantastique. Et lui? Ah. Oh là 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 là! Quelle horreur! Bah toi en fait avec ton pompe je crois que tu vas venir là finalement.
Hein? Ouais. Parce que je pense qu'on va être dans la merde. C'est quoi ça? C'est l'armure, je crois. Elle a beaucoup d'armure. Bon, on va passer le tour, on va voir ce qui va se passer. Ok, bon, lui va crever le prochain tour. C'est bien qu'il se barre. Ça m'arrange. Berserker. Aïe aïe aïe. Bon, lui il va rien pouvoir faire. Je vais pouvoir le péter d'en haut par contre. Ennemi détecté. Qu'est-ce qu'il fait lui? C'est quoi ça? Dégâts armure, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais je croyais qu'il pouvait pas tirer lui. Ouais, mais il a masse. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il a un pistolet. Il a un pistolet, mais il sait pas tirer. Hein. Par contre, il a tellement de vie, quoi. Enfin, il a tellement d'armure. Oh là là. Ça va être très compliqué. Donc, toi, tu peux tirer sur lui. Vas-y. Visée libre. Tête, torse, bon c'est pareil, bras. Ah, vaut mieux que je tape le torse, hein, je pense. Vas-y, on tape le torse. Infection virale, fantastique. J'aurais dû faire ça. Tir suivant, ah, c'est juste le suivant. Avant, je peux tirer au pistolet si je veux maintenant. Visée libre. Je l'ai touché, parfait. Ok, ça c'est bien. Ça c'était efficace. Là, ce qui m'inquiète, c'est que lui va peut-être rentrer dans le bâtiment. Donc, papillote, toi, tu peux tirer sur personne. C'est pas ouf du tout, ça. Oh, lui, il a pris cher tout à l'heure. C'est quoi ce truc là? Pourquoi ça m'a dit que ça avait été détruit? Que ça avait pris des dégâts, je sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Je ne sais pas. J'ai peur qu'il se fasse défoncer à l'intérieur par les mecs là. Donc là, lui, il va crever, c'est sûr. Lui, je sais pas ce qu'il va devenir. Ok. Elle serait bien qu'elle court. Ça me coûte un point. En vrai, je vais pouvoir encore me déplacer. Je pourrais peut-être venir là. Et lui tirer dessus aux pompes. Ouais. Vas-y, on va faire ça, on va venir là. Voilà, ensuite on va se dé... Oh putain. Quel déplacement de merde. Bon, tu vas venir là, tant pis. Mais il n'y en avait pas un autre derrière là? Si, il y en avait un autre comme ça. Hein. Ouais, il y en avait un autre soldat là-dedans, là. Il est planqué derrière là. Du coup... Ça me coûte 3, putain. J'allais dire, je vais me mettre en vigilance. Je sais pas par où il va passer, mais. Lui, s'il vient, il va forcément passer par là ou par là. Là, ce serait pas mal de faire comme ça. Comme ça. Comme ça, ce serait pas mal. Ok, toi, tu vas te mettre en vigilance. Toi. Bah, toi, t'attends maintenant, t'as plus rien à faire. Là, on a qui là? Papillote. Il peut venir se mettre en plein milieu là juste pour lui tirer dessus. Oula. Là c'est pas mal. Tu tires en plus. Vas-y, visée libre. Ah vas-y, fais-lui un headshot s'il te plaît. Yes! Bien joué. Par contre, ça a tiré le torse. C'est pas grave. Toi tu vas lui tirer un coup dessus. Oh là là, il a rien pris de dégâts. Recharge, confirmé. Ok, vigilance comme ça. Oh là là. C'est tellement la galère. Toi, tu vas te mettre en vigilance comme ça. On va laisser venir, je crois. Ok. Et elle, vigilance comme ça. Par l'approche, assez proche.
Ok, allez. Ok, donc lui il est mort. Très bien. Oh, je vais avoir des armes, ça c'est bien. Ah, medkit, non, ne te soigne pas. Oh, vas-y, il m'a touché la tête. Voilà. Oh putain, il se soigne en plus. Quelle horreur. Oh non, il va rentrer à l'intérieur. Oh là là. Bon, Aminou. Aminou, il peut venir ici. S'il vient là... Mais il peut tirer sur personne d'ici, c'est ça le problème. D'ici, il pourrait tirer dessus. Ouah, lui s'est mis en vigilance comme ça? Sérieux? Ah le salaud. Ah le salaud. Je peux le tirer dessus? Bah vas-y. Attends, non, non, mais je vais me tirer avec ça moi. Visée libre. Je peux pas le toucher là? Comment tu veux le toucher là? Attends, attends. Tu peux pas le toucher là? Je peux le toucher là? Non. Ah oui, d'accord, c'était au pistolet. Ah, je peux monter là-dessus, c'est marrant ça. Bon. Et mais si je descends là après, ça veut dire que je serai à l'intérieur du bâtiment. Je pense que celui qui est en bas là, je vais le perdre. C'est quasiment certain. Si je descends là, il me voit pas et en plus je peux lui tirer dessus. Non? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a là? C'est scientifique, on est d'accord, le truc rouge. C'est pas de l'ennemi ça. Utiliser l'arme, visée libre. Vas-y, comme ça on est à peu près sur toucher. Ok. Parfait. Ensuite, toi, tu peux aller tirer sur lui encore une fois. Finger on the trigger. À peu près comme ça, c'est mieux. Oh punaise, pas possible. Pas possible. Ouais, ça c'est scientifique. Oh punaise, j'y crois pas. J'ai l'impression que ça va être un peu la galère là. Bon. Est-ce que ça va leur faire quelque chose une grenade? Bonne question. Est-ce que ça va leur faire quelque chose? Tenter le coup? Te rate pas. Ouais, c'est efficace. C'est efficace. Ça fait le taf. Ça fait le taf. Je pourrais me soigner presque. Peut-être pas encore. Toi. Ils sont pas en vigilance là les deux, putain. Je pourrais courir. Faudrait que je me mette ici pour que ce soit bien. Ouais, on va tenter le coup. Ok. Tu viens là. Ah merde, y'a l'autre là-bas aussi. Zut. Si je vais me mettre là, ça pue, hein. Pas tirer, reculer sinon. Ouais, vas-y, tirer. Ok, parfait. C'était efficace, c'était pas mal, c'était bien vu ça. Hop, allez, on vient là. Ok, toi t'attends maintenant. Toi t'attends, tu peux plus rien faire. Bah toi tu vas tirer. Sur lui ou sur lui là-bas? Bah non, sur lui. Vas-y. Ok. Bah vas-y, encore. Il est bientôt mort. Ah, t'aurais pas pu toucher un coup de plus. Toi, tu peux plus rien faire. T'as plus de grenade. Tu vas équiper ça ici. Hop. Toi. Ah, punaise. On est pas bien, là. On est mal placé, là.
Si je viens là, je peux tirer dessus et l'achever. Sans frein de moins. Non, je peux évacuer, non. Je veux tirer sur lui. Voilà. Allez, un de moins. Il en reste 4 encore. 1, 2, non 3, juste 3. Au moins un scientifique doit survivre, sécuriser la zone. Ok. Il en reste 3. Bon, lui il est un peu découvert là, ça m'embête un peu, mais bon. Allez, terminer le tour. Et rejeter. Bon, moi lui il va défoncer les scientifiques. Hein. Super. Non, même pas. Ok. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il a fait tout le tour? Pour rien. Très bien, tant mieux, ça m'arrange. Ok, lui, il utilise un medkit et il commence à rentrer. Ça m'arrange pas, ça par contre. Toi, tu vas venir ici peut-être? On a dit que l'autre il est en bas là. Attendez, il est rentré où? Il est rentré dedans l'autre. Et lui il arrive là. J'ai pas trop de points de... J'ai pas trop de points pour le viser là. Hein. Ça m'arrange pas trop. Et d'ici je peux pas viser l'autre là-bas. Si, parfait, regarde. Regardez-moi ça. Si c'est pas beau ça. Visée libre. Ah, ouais, bon. Ouais, bon. J'aurais dû me mettre plutôt ici. Ça aurait été mieux. Mais j'avais pas vu. Toi, tu peux tuer lui. C'est un peu risqué, mais bon, vas-y, on tente le coup. Yes! Joli. Alors, elle, Inaru avec le fusil à pompe, peut peut-être venir là et le défoncer. Un gros truc comme ça, là, qui fait des trous, là. Comment ça, ça lui a rien fait? Bah. Comment ça, ça a rien fait? C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que c'est cette histoire là? Je peux pas revenir en arrière là. Mais... Mais j'ai... Quoi? Comment? Pourquoi? Allô? Mais eux... Pourquoi je me déteste? Bah vas-y, toi tu vas venir là. Tant pis, on va faire le bourrin là, vu qu'on est parti bourrin. Visée libre. Pourquoi je peux pas lui faire de dégâts là? C'est quoi cette histoire? J'ai pas compris là, lui là. Il... Comment il a. Le jeu il est pas gentil avec moi. Parce que là, si je tire, je vais tirer. Ouais voilà, je vais tirer à mort sur mon pote quoi. Ah punaise, quelle horreur. Si je fais ça, ça fait quoi? Tous les ennemis à 10 cases de distance voient leur point d'action diminuer de 2 pour le prochain tour. Vas-y, on fait ça. Ah oui, il est là, l'autre ennemi. Ok, bah très bien, ça m'arrange. Et toi? Je peux tirer par-dessus là. Vous croyez? On va tenter le coup. Ok. On peut tirer encore en sniper? Non. Tire au pistolet. Pas plus de réussite, hein. Et lui, il peut faire encore quelque chose. Pas grand chose. Soigner quelqu'un, peut-être. Bon, allez, terminer le tour. On va voir ce qu'il va faire. Lui, il a des. Oh! Ah, il avait un pompe! Bon, par contre, il peut plus rien faire. Qu'est-ce qui se passait? Il est allé là, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Pourquoi là ça faisait rien en fait tout à l'heure? Il a tiré dans le fusil en fait, j'ai pas compris ce qui s'est passé.
J'ai pas compris ce qui se passait tout à l'heure. Il y a eu un bug dans la matrice, je crois. Ah bon, lui, il a pris cher à la tête. Tu vas te soigner tout seul. Postovich, voilà, très bien. Et puis tu vas venir, disons, par ici. Parce que l'autre, il est planqué là derrière. Ok, ensuite, mon sniper, moi. L'autre, il est planqué là derrière. Donc si toi, tu viens là, tu devrais pouvoir lui tirer dessus. Clac. Toi, tu vas essayer de venir plus par là, du coup, scientifique, là. Allez hop, on tire, visée libre. Bras, jambes. Vous savez quoi, jambes, il peut se déplacer moins. Bras, il tire moins bien. Torse. Un torse, je l'ai déjà touché au torse. Ah voilà, donc là, il a perdu son armure au torse, là, maintenant. Désactivé. Ok. Donc lui, il est là. Il va pas pouvoir faire grand chose, lui. Faire le tour par l'autre côté, peut-être, espérer. Ouais, on va faire ça. Hop. Voilà. Ensuite, Sophia Brown peut venir là, mais elle va pas faire grand chose non plus. Bah si, elle va venir là. Là ou là? Taking position. Ici. Et puis vigilance par là. Ok, toi tu attends, merci. Ah, j'avais dit que je voulais m'arrêter plus tôt. Toi tu vas venir là, quand même au milieu, c'est pas grave. Et vigilance par là. Ok, toi tu peux rien faire. Il reste Inaru là. Qui peut courir jusque là. Non. Là, c'est pas mal là par contre. Courir jusque là. Ok. Et c'est tout en fait. Non, c'était inutile. Paniquer. Fantastique, ça c'est bien. Ça c'est bien. Voilà, ça c'est bien. Ok, ça lui fait rien du tout. Ah ça par contre, ça lui fait des trucs. Ok. Yui, étourdi. Votre soldat est étourdi. Ça suffit qu'il n'a que un PA pour ce tour. Oh là là. Pression réduite de moyenne, ok. Wouah. Ok. Ok, alors là, visée libre. Le bras. La jambe, bah vas-y la jambe, hein, tant pis. Ok, mais là on devrait arriver à le tuer, je pense. Visée libre. Non, raté. Ah, il a 20 saignements. Il en a combien en vie? 4, bah très bien, il est mort le prochain tour, lui. Pam, donc là, il s'est mis au milieu. Visée libre. Bah vas-y, hein. Boum. Puis tu vas l'achever, je crois. Ah, tu peux pas. Munition épuisée. Ah, merde. Qui c'est qui a besoin d'un niveau, là? Papillote, mais elle est à l'autre bout. Elle a pris cher, hein. Tu vas te soigner. Ah, mais elle peut même pas se soigner. Elle peut même pas se soigner. Donc, attends, lui, il va la tuer. Faudrait qu'on puisse, faudrait que je puisse utiliser un medkit là. J'ai personne qui peut l'aider. Bon, on va mettre fin au truc. Hein. De toute façon, on va retourner à la base après, je crois. Puf. Voilà. Ok, donc là on a fini normalement. Je crois bien. Et on va récupérer tous les trucs qui traînent. Non, on n'a pas fini. Comment ça, on n'a pas fini? Sécuriser la zone. Au moins un scientifique doit survivre. What? C'est quoi ça? Terminer le tour. Ah oui, non, il reste l'eau sous l'escalier là. Il est pas mort encore. Ah oui, voilà, il est mort. Ouh. Très bien.
Blessé, blessé, blessé. Ouf, on va rentrer à la base un peu. Hein. On va clairement rentrer. On n'a pas gagné beaucoup d'XP. Hein. Tout le jeu se cap. Bon, 40 minutes, on va s'arrêter là. Hein. On va s'arrêter là. Mais c'était une bonne petite mission. Hein. Ça commence à... Le niveau là, ça commence à devenir un peu chaud. Hein. Mes nouvelles recrues, il va falloir que je les entraîne. Hein. Enfin, je les entraîne. Alors, juste à temps, l'opération a réussi. Nous sommes parvenus à sauver les scientifiques, mais également à récupérer les données inestimables de leurs recherches. Toutes les informations ont été décryptées et sont disponibles pour les recherches et analyses. Ok. Donc ça, on va faire ça. Non. 4 heures, non. On va pas fabriquer. Je crois qu'on en a plein en plus. Ok. Alors là, vous allez revenir à la base, hein, clairement, et vous allez vous soigner. Toxique corrupteur, nouvelle recherche disponible. Fondement de la liberté, les corrupteurs, c'est drôle comme nom, comme le nom sommaire que nos soldats ont inventé et resté. Je suppose que c'est approprié, ces horribles créatures représentent tout ce qui rend les Pandoriens si subjects. Ils ont été conçus pour nous voler notre volonté, notre humanité. Ok. Technologie bionique avancée. Ok, 3 jours. Peut-être pas faire ça tout de suite. Vaisseau du Synédrion, ouais, mais ils sont moins bien, ils sont plus petits. Développement de l'armure, ouais. Je sais pas si j'ai envie de faire ça. Ouais, on va faire ça. Puis après, on va faire une autopsie. Ok. Fabrication. 3 jours encore. Hein. Ouais, lui il est trop loin à soigner. Combat, armure de combat des Synédrion. Il y en a deux, ok. Ah, elles sont moins bien. Elles ont juste de la précision en plus. Ah, donc ce serait bien pour les snipers. En fait. Ok. Ça m'embête que lui il ait été tant blessé que ça, quoi. Je peux pas utiliser ça d'ailleurs. Je peux pas le soigner directement avec un truc comme ça. Fabriquer, recycler, non. Non, ça j'en veux pas, recycler d'ailleurs. Même si ça se recycle que dalle. C'est dommage ça qu'on puisse pas utiliser ces trucs. Sélectionner, retour, bon. Recrue. Ouais, c'est un peu dommage. C'est un petit peu dommage, personnel. Et du coup, lui, il me sert à rien au final. Transférer. Je peux pas le transférer au cadeau. Ok. C'est dommage. C'est dommage. Bon, en tout cas, on va mettre fin à cette vidéo parce qu'elle est déjà trop longue. Oula. Donc, et bien sur ce, moi je vous souhaite à tous une bonne continuation. Et je vous dis à bientôt pour la suite de ce let's play. Allez, salut à tous. Ciao.